Hey, salut la gang! Ouverture carabine! Évidemment, je suis pas à la chasse. Ma chasse est finie. Mais je suis venu faire un tour juste pour voir. Juste par curiosité. Juste pour tourner le fer dans la plaie. Tu sais, d'un coup que je filmerais des gros bocs là, sur ma caméra. La propriétaire, elle m'avait dit que des fois, il y avait du monde qui chassait sa terre dans le fond puis ne demandait pas la permission. Fait que... Ça m'a un peu stressé, tu sais. Je me disais, OK. Fait que j'ai pris l'habitude dernièrement, à chaque fois que je venais, c'est pas bien loin, c'est sur mon chemin pour venir ici. Fait que je vais dans le chemin en arrière, juste pour être sûr. Puis là, je me suis dit, hey, c'est l'ouverture. On va aller voir, il va sûrement, tu sais, avoir de l'action. Fait que je m'en vais. Dans le chemin, c'est un chemin de terre, tu sais, puis j'arrive proche de la terre des propriétaires ici, puis... calique. Il y a un char avec des chasseurs. Aïe, là, je capotais un peu, là, mais non. C'est les voisins de l'autre bord. Tu sais, il y a le fermier ici, là, ce bord-là. Il y a moins 7, puis l'autre bord, il y a une autre terre plus loin, là, c'est deux lots plus loin, fait que les autres chassent là. Fait que, phew! Puis là, ben, en plus, son super smart, ils m'ont offert de prendre une bière avec eux autres, mais qu'ils trouvent leur chevreuil parce qu'ils ont tiré un box à l'air. Fait que, ben, je reparte tantôt, je vais aller. Faut peut-être aller arrêter voir s'ils l'ont trouvé. Là, il faisait venir un chien sang. Fait que c'est ça. Moi, je suis venu ramasser mes cartes mémoires. Juste voir l'état de la cabane. C'est pas si pire. C'est clean cut. Puis, en m'en venant ici, il y avait des belles traces de bocs, puis tout le kit. Tu sais, t'arrives, puis tu vois un gratteur, ben pas un gratteur, mais en tout cas, c'est clairement des sabots. Dis-moi pas, je vais arriver à mon spot, puis ma caméra va avoir des gros bocs dessus. En tout cas, qu'est-ce que tu veux? Ça va être ça. Puis là, je viens de voir de quoi de... très, 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 très encourageant pour l'année prochaine. Ça, c'est dans le trail que je viens pour aller à ma cabane. Ah, Seigneur! J'aurais dû attendre, vous auriez dit, hein? Ouais, mais comme j'ai dit, ça faisait mon affaire que... de récolter le chevreuil de bonheur. Parce que... bon, je regarde la cabane encore. On dirait qu'il y a un panneau qui est ouvert avec le vent. Quelque chose, là. Faut que je vienne la prochaine fois avec un escabeau arranger ça. Ça faisait mon affaire parce que j'ai beaucoup de réno à faire à la maison pis toute l'équipe. Fait que là, j'ai pris le temps de venir juste pour ramasser les cartes mémoire puis voir comment ça s'est passé. Mon Dieu! Ça, c'est où ce qu'il y avait les abats. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Caline! Ça va être une vidéo excitante. Puis là, c'est ça. Il y a encore des pommes. Tabarnouche! Il y a encore des pommes. Bon, elles sont pas super hautes, là. Puis le maïs. Ça, c'est vidé clair. Fait que ça, je vais partir avec. Ah! Ils ont arraché... mon pot de mélasse. Je vais entretenir, je vais aller voir le gratter là-bas. D'après moi, il est entretenu aussi. Fait que je m'en vais là, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a, ces caméras. Quand j'ai vu la femelle sur les séquences, j'ai trouvé ça un petit peu triste, parce que je me suis dit, c'est peut-être elle qui cherche son petit, puis là... Il reste des odeurs, puis elle vient de le retrouver, là, peut-être. En tout cas,
C'est un peu triste. On a souvent tendance à croire que c'est des coyotes qui mangent les abats ou peut-être un renard. J'en ai eu un renard qui est venu, qui a mangé une couple de bouchées, là. J'ai eu deux séquences avec des coyotes qui ont juste passé. Mais j'ai été surpris de voir qui est-ce qui s'est fait tout un buffet, là. Ouais, des ratons. Puis ils ont gratté jusqu'à dans la terre creux, là. Genre, je sais pas, il devait avoir des odeurs ou quelque chose, là, mais c'est eux autres qui ont fait le gros tour. J'ai réinstallé. Ma cam au gratté de l'année passée, la fameuse arbre, puis ben oui. L'année prochaine, on va être là, c'est sûr. Ah. En même temps que les voisins ne les récoltent pas tous. Puis là, je vais aller voir un peu plus loin si les autres grattés sont entretenus ici, mais le gratté là, on s'entend que lui est entretenu. Les femelles ont recommencé à fréquenter la saline. Malheureusement, j'ai pas de séquence d'eux autres qui vont dans la mangeoire, fait que tout ce que j'ai, c'est des ratons qui se servent là comme des bons. J'ai un nouveau veau. Je dis nouveau, c'est celui que j'avais filmé avant, je ne sais pas. En tout cas, il y en a un autre, ou il y en avait deux avant, peut-être. Puis j'ai au moins un spike, mais je pense que c'est deux. Si vous regardez dans cette séquence-là, de loin, là, il me semble que les bois sont plus larges que l'autre spike. Je sais pas. C'est dur à dire, là. Je vais essayer de zoomer, là. Fait qu'il y en a un de ces deux-là, probablement, qui a été récolté par les voisins. J'espère que vous avez eu des belles images. Je ramène la mangeoire. Je vais l'arranger comme il faut. Faire mieux que ça. Puis, bon, venez une couple de semaines arranger la cabane parce qu'il y a un des panneaux qui s'est ouvert. Puis, probablement ramasser mes caméras. Ça va être la dernière fois. Je veux pas y laisser l'hiver parce que j'ai l'impression que l'hiver, il gèle, puis il aime pas ça, puis il fuck. Ma plus belle est fuckée, là. Celle qui faisait les belles images au grattage, là. Fait que... C'est ça. On se voit à la prochaine. Puis peut-être faire des recettes entre-temps, là. Ciao! Chasseur.